Mont Roche Noire. En passant par Cabestan? Pourquoi je passe par là, moi? Attendez, résultat. Je me demande si on va pas se rediriger par ailleurs. Parce que là, on a accès à Orgrimmar. Je crois qu'on a accès à Piton du Tonnerre. Et c'est pas Lune d'Argent, l'autre? Ouais. Ah, ça fait loin, Lune d'Argent. Hein. On a plus près à aller. Hein. On a plus près à aller à... En passant par Cabestan, ce sera plus rapide. Mais ça fait une trotte, le Mont Roche Noir, hein. Lune d'argent, évidemment, non. Je regarde s'il n'y a pas d'un endroit où on peut partir. Non, malheureusement, pas d'ici. Parce qu'après, lune d'argent, roche noire. Ça... Parce que les thèmes ardentes, c'est là. Donc faut passer par Cabestan. C'est le plus simple. Allez, on va attendre le bateau. On passe par Baie du Butin. À Baie du Butin, on prend le fly. Et direction de Mont-Roche Noir. Bah, à la limite, il va rien se passer pendant le trajet. Je vais couper le temps du trajet. Et je vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Sauf que je peux pas mettre en pause si c'est... Bien, on est de retour. Enfin, je suis de retour. Je suis à quelques mètres du Mont Roche Noir. Qui est... Là, bah oui, juste là. C'est bon.
Ça fait thème. Ah oui, c'est vrai que je peux voler à l'intérieur du mont Roche Noire. Alors par contre, je vous préviens, je me suis toujours perdu dans le mont Roche Noire, ça risque pas de changer. Il est où? Découvrir l'emplacement de l'objet mentionné par Hérion. Descente de l'aile noire. Fallait peut-être pas rentrer. Peut-être que c'est dehors. Ça m'étonnerait beaucoup, hein, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Est-ce que ça... Non, c'est juste un effet, ça crame pas. Bon, ok. Considéré que j'étais rentré. Eh, je me suis trompé de monture parce que sinon c'est pas drôle. Je suis en train de regarder un truc, mais... C'est là? Picroche noire. Bon, disons que les mobs ici m'emmerderont pas. Attends, mais c'est pas possible. J'ai des Drake là qui se baladent, mais ça c'est normal, ça fait partie du... Ok. C'est dans un des donjons ou c'est... Ou c'est dans la mine dans le fond là. Non, ça fait pas partie ça. De roche noire.
Apparemment, c'est dans le raid descente de l'aile noire, mais je... Enfin, je me tape toutes les entrées de donjon pour voir jusqu'où... Attendez, j'aurais fait un truc. Ok, c'est ça que je fasse ça. Bon. On va faire tous les donjons. Non, ça c'est une sortie, ça je crois. Ouais, c'est la sortie vers... Vers le nord, ça. Hop. Donc, ici. Parce que je sais que les mobs vont faire chier, mais voilà. Je dois d'abord choisir une cible. C'est pas là. Ah, puis ça fait tellement longtemps que je suis pas venu à Roche Noire, je suis complètement paumé. Je me paume tout le temps de toute façon. C'est pas là non plus. Zut, l'entrée d'a... Ici, je crois qu'il y a des instances. Ouais, c'est ça, il y a une instance là. Alors, est-ce que c'est celle-là? Ce mode n'est pas disponible. Sommet du Mont Roche Noir. Je suis en quoi là, au niveau des modes? Normal. Normal. 10 personnes. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Ah bah là je coince. Là je coince, je ne sais pas. Le centre, on va bien voir. Ne sentir rien ici. Ah si. Si, 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 je crois. Ça pourrait pas être là. Non. Après il n'y a rien parce qu'après le truc c'est quand on est à pied en fait on descend cette chaîne pour aller jusqu'à voilà puis ici il y a les il y a une autre instance par là. Nos ennemis seront abattus. Mais ça, c'est pour le cœur de magma. Adieu. Ça veut pas être par là.
je vais regarder. Enfin, je vais aller jusqu'à l'instance qui est au fond de cette grotte. Mais non, je m'éloigne, hein. Dans le mauvais sens. Parce que par là, il y a l'instance du cœur de magma que j'ai jamais fini. Bon, et vous me cassez le lion là. Non, non, c'est l'instance classique ça. Ah ouais, ils sont niveau 60, les mobs. Y a rien à. Donc c'est pas là, hein. Non, non, c'est l'instance classique, ça, c'est. C'est l'instance à l'ancienne, j'ai envie de dire. Eh ben. Hein. Me voilà bien embêté. Me voilà bien embêté. Je ressors. Bah écoutez, je vais couper là et puis bah, je vais chercher et je vous reprends. S'il n'est pas trop tard, je reprends. Je vous reprends là où c'est. Parce que. Alors là, je coince complètement. Attendez, je vais tenter. Ça m'étonnerait, c'est complètement à l'opposé de là où est la zone, mais. Il y a un truc là, non? Ah non, non, c'est la sortie, ça. C'est la sortie. Sinon après ça a l'air d'être en l'air. Excusez-moi. J'ai jamais vu qu'il y avait un truc là. C'est ça? C'est ça, je l'ai.
Alors j'ai jamais vu qu'il y avait un truc ici. Donc ça doit faire partie de l'extension. Il semble que Nzot ait un coup d'avance sur nous. Le deuil attendra. Pour l'instant, il faut avancer. Bon ben, c'était un peu galère, mais j'ai trouvé. Alors, Les est-ce que je troupes peux de le faire Nzot en une ont heure? envahi le repaire de En Nefaria. 40 minutes, pardon. Ne traînez pas. S'ils sont ici, ça ne peut être que pour une raison. On va essayer de le faire en 40 minutes. Il y a du loot. Soumettez-vous au maître. Vous mourrez. Ah d'accord. Le ventre du Trek se gonfle lentement tandis qu'il inspire l'air chaud et sec, puis il expire quelques instants plus tard, luttant pour Les maintenir son souffle. souffrances qu'ils infligent à ces pauvres dragons. Bon. Oh, le fameux prince noir. C'est un honneur d'enfin vous rencontrer. Admirez l'œuvre de feu, votre père, et soyez rassurés, ses efforts n'auront pas été vains. Bon. Parlez à Hyrion. Ces sectateurs veulent reprendre les recherches de Nefarian. Nous devons les arrêter. Éliminez ceux qui mènent les recherches. Je vais m'occuper de neutraliser la barrière. Bon, on va focus un petit peu les. Petit peu les objectifs là, plutôt que. Je vais pas défoncer tout le monde, je vais vraiment cibler les objectifs, on va dire. Oula, d'accord, ok. Oh, ça va, ils ont quasiment pas de vie. Les sectateurs ont réaménagé le laboratoire pour faire des expériences sur les dragonnets. Mettez-y fin. Ça, c'est bon. Maintenant, on va aller de l'autre côté. On dirait qu'il jette les rebuts des expériences ratées en pâture à cette abomination. Vengez-les.
Nos efforts sont futiles. Je ne peux pas en porter plus. L'héritage de Nefarian sera bientôt à nous. Revenez me voir. Cette barrière se révèle plus... plus résistante que je ne pensais. Ok. Je suis hors de portée. J'y suis presque. Plus que... Derrière vous ! Pas fermer le... Bon, c'est juste de la défense, c'est pas grand chose. Jusqu'au moment où... Il va y avoir un gros truc qui va sortir. Je n'ai pas de cible. Bon, ça le fait. Bon, c'est quoi la suite? Enfin, le prince noir daigne nous honorer de sa présence. C'est elle qu'il faut buter. Le vol noir n'était pas digne des dons du maître. Mais toi, tu peux encore lui être utile. Commencez le rituel. Le maître m'appelle à Nihalota. Nos créatures peuvent se charger d'éliminer l'escorte du prince. Votre père n'a pas pu résister au dieu très ancien, petit dragonnet. Quelle arrogance de croire que vous le pourriez. Ah, non, 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 non. Choisir une cible, je ne peux pas en porter plus. Je ne peux pas en porter plus. C'est quoi ce cible? Ah, j'ai pas vu. Non, c'est pas ça, c'est pas là. C'était pas là qu'il fallait buter. Non, ok, faut revenir en arrière, visiblement. Ok. Vous attirer ici était un jeu d'enfant. Cette fatigante obsession pour l'héritage de votre vol causera votre perte. Avec votre essence, nous allons ranimer Nefarian et Onyxia au service de Nzoth. Le vol noir reviendra assombrir le ciel au nom du maître.
allez brûler pour ça. Jamais me briser comme mon père. Le vol noir éradiquera votre maître d'Azeroth. Dragons impudents, tous, vous vous prosternerez devant Zoth. Venez avec moi, il est temps d'en finir. Faut que j'aille où? Là, ok. C'est où là? C'est là-bas. Ok, d'accord. Excusez-moi, je me suis paumé un instant. Je le vois. J'ai sous-estimé l'emprise qu'ont encore les dieux très anciens sur le vol draconique noir. Je ne pouvais pas faire grand-chose pour résister à leur pouvoir. Je ne permettrai pas que mon vol soit corrompu à nouveau. Il faut détruire les restes de Nefarian et Onyxia. Alors, Onyxia, je sais où aller. Ensuite, récupérer leurs écailles. Elles pourront nous aider à protéger Azeroth. D'accord. Je vous confie les écailles. Rapportez-les à la Chambre du Cœur. Nous allons utiliser leur puissance contre N'Zoth. Ok, et je suppose que ce dragon... Ok. Ce dragon me ramène. Oh non, 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 non. J'aime pas quand ça fait ça. Je sens que je vais me prendre 1 million de points de dégâts là.
Mais c'était sûr! Mais c'était sûr! Ah, c'est pas vrai, hein. Et je suis à perpète les oies, sinon c'est pas drôle. Ah, c'est pas vrai. Bon, bah écoutez, de toute façon. Écoutez, vous avez quoi? Hop. Tant pis, j'ai envie de dire. De toute façon, on va finir cette session de tournage ici, donc tant pis si je me prends du mal du résu. On va juste rendre la quête. On va juste rendre cette quête. Et on se retrouvera pour la prochaine session de tournage. Alors vous devez être en plein milieu d'un épisode, si je dis pas de bêtises. Vu que j'ai tourné 2h30 et pas. Et pas un truc genre 3h ou 2h. Hein. Ah oui, mais j'ai fait une pause entre deux. Je sais combien là. Ouais, je suis à 1h52. Ouais, bon, on doit être au début de d'un épisode là. Donc je rends ça. Moi j'arrête le tournage pour aujourd'hui, je reprends demain. Le camp de Mani, il est là. Tac tac tac, il doit être... Pas très visible un hein, camp de Mani. Dites ce que vous avez à dire. Alors c'est bien plus qu'une simple cape. C'est le seul vestige de mon glorieux vol. Victime de la corruption de Nzoth de leur vivant, les miens vous en protégeront dans la mort. Alors, retournons affronter sa vision. Ok, bon, donc on sait où se situera la suite. Juste, j'ai là, parlé à pas Adam pour regagner les salles d'origine. D'accord, ok, bon, ok. Donc, on fera ça le prochain coup. Juste, on va lire la quête. Comme ça, je sais que on fera ça directement. Dame, en fait, c'est juste le TP, sinon on peut y aller manuellement. Tac, 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 tac. Donc, les récents rebondissements vont nous permettre de poursuivre nos investigations pour identifier les manifestations ténébreuses tapies sous les sables. Ce ne sera pas une partie de plaisir, MDG le Normand. Nous évoluons sur une corde tendue au-dessus du précipice de l'inconnu. Mais à présent, la donne a changé du tout au tout. Yarion examine votre nouvel accoutrement. Ma foi, vous avez la tenue de l'emploi. Voyons quelle découverte votre retour dans la salle des origines va mettre à jour. Va mettre au jour, pardon. Tac, 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 tac. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Elle est belle. Réduit de 20% à 20%. Ok, d'accord. Quoi? Non, c'est une blague. Attendez, 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 attendez. Ah non, non, non. Ok, j'ai rien dit. C'est parce que je suis en mal de résu, c'est pour ça que j'ai vu que ma vie, elle était qu'à 100, qu'à 100K. C'est mon mal de résu. C'est normal, c'est normal. Bien, bah écoutez, sur ce, bah comme je vous ai dit, j'arrête là. Et on se reprend bah, pour vous dans 5 minutes, pour moi, demain. À bientôt. À tout à l'heure.
Alors, c'est bon, bonjour à tous, on m'entend bien, c'est parti. Épisode 111, on est en cours de l'épisode 111. Oui, mon mal de résumé est passé, je suis en train de... Voilà, j'ai l'impression que le jeu a galéré un petit peu au redémarrage, mais on va voir un petit peu... Donc on enchaîne, je n'ai pas bougé de là depuis hier, hier soir. Alors, entrée à nouveau dans la vision des salles de l'origine, ok. Attendez, je vais juste augmenter un petit peu le son pour moi. Non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de son. Attendez, je vérifie juste. Ah, attendez. Non, ça change rien pour vous. Bon, c'est pas grave. On va contourner cette tornade. Détruisez la barrière. Bloque l'accès au corridor. Protégera du gros de la puissance de Nzot, mais ne l'écartera pas indéfiniment. Ok. Ne traînez pas. D'accord. Alors, attendez. Je vais peut-être commencer par réinvoquer mon marcheur. Ok. Plus vous vous enfoncez dans la vision de Nzot, plus son influence devient forte. Même avec la cape, votre santé mentale va décliner de plus en plus vite et vos sens vont commencer à vous tromper. Attention à cette créature. Ses attaques ne frappent pas que votre enveloppe physique. Mais aussi votre esprit. Ouh là 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 là. J'ai vu. Ouh là 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 là. D'accord, ok. Bon, on va envoyer du dot. On va peut-être invoquer aussi. C'est bon. Ok. Votre vision doit être centrée sur la forge. Réparer cette dernière pourrait mettre fin au cauchemar. Allez à la salle de contrôle. Fallait où? La salle de contrôle, c'est troisième étage. Trop
forge appartient Dame, au maître. Essayez de ramener notre ami dans la chambre. Nous avons à parler. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là. Dame. Ok. Système de téléportation activé. Ok. Dame, vous avez reconfiguré le moteur de Nalaksha pour alimenter la forge des origines. Affirmatif. Incroyable. Il faut un tel niveau de connaissance. Vous êtes impressionnante. Lancement du protocole d'assimilation des dithyrambes. Merci. J'apprécierais assez une occasion de discuter de ce sujet avec vous. Planification de l'entretien requis pour le prochain cycle disponible. Veuillez patienter. Oui, bien sûr. C'est quoi ce... C'est quoi cette romance chelou entre Raden et Dame là? C'est extrêmement chelou, mec. Mec, t'es en train de tomber amoureux d'un robot. C'est quand même chelou. Enfin, on sent bien qu'il y a un... Il y a un truc là. C'est... Tu risques d'être déçu. Je vous attendais. Ok. C'est combien ça? Ah, 2000 points quand même. Hein. Apprenez du passé. Regardez vers l'avenir. Alors, aussi néfaste qu'elle puisse paraître, cette corruption galopante nous offre l'occasion de nous parler, de nous parer aux épreuves à venir. J'en suis convaincu. Trouvez l'une de ces manifestations et voyez ce qui se passe lorsque vous plongez le regard derrière le voile des ténèbres. Trouvez une vision de Enzoth dans la corruption. Dans la corruption qui ronge le Val éternel printemps à Oldham et pénétrez-y pour découvrir ce que l'avenir réserve à Azeroth. Les menaces qui pèsent sur Azeroth sont nombreuses. Donc, on retourne au Val de l'éternel printemps, on retourne en Pandarie. Pourquoi à chaque fois j'ai mon arme de sortie quand j'arrive ici? Hop. Ah, je vous ai dit, j'ai le jeu qui galère un petit peu, j'ai l'impression, au chargement. Depuis que je l'ai relancé, là.
Alors. Attendez, que je ne me plante pas. Oui, c'est ça, c'est là-haut. Ah, attendez, j'en profitais. J'ai une patrouille juste ici. Ouh, ouais, ouah, pas grand-chose. Est-ce qu'on dépasse les 2 millions? Toujours pas. Je n'ai toujours pas dépassé les 2 millions. C'est... Alors on s'en approche toujours plus, mais avec le nouveau système de l'hôtel des ventes, c'est très difficile d'être compétitif. Tac-tac. Ouais, allez, on voulait le sanctuaire des deux lunes. Ah, c'est bon. Alors, c'est où? Ça a l'air d'être là. Non. Val de l'éternel printemps ou Oldham? Ouais, ok. En fait, c'est pas du tout en Pandarie, quoi. En fait, ils disent Val de l'Éternel Printemps, mais en fait, vaut mieux aller à Oldham. C'est pas grave. Bon, au moins ce sortilège, il fonctionne toujours ici. Alors, Uldum, extension Cataclysme. Donc, le portail, il est là-bas. Il est de l'autre côté d'Orgrimmar.